Oh shit, c'est Max Pinpin. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai abandonné d'une façon assez brutale. Je vous ai laissé sur un teasing et un jeu d'acteur incroyable. Je pense que vous avez remarqué que le moteur que j'ai démonté dans la vidéo précédente était dans un état pitoyable. Et il aurait fallu énormément de frais à mon avis pour le remettre en état. Au moment où je démontais ce moteur, j'ai deux jeunes passionnés de mécanique qui m'ont contacté sur Instagram, des fous du diesel. Ils m'ont dit écoute, on a un moteur qui pourrait te correspondre, est-ce que tu le veux ? Bien évidemment, je leur ai dit oui et je leur ai demandé quand est-ce que je pouvais venir le chercher parce que c'était pas très loin de chez moi. Tout était prévu pour que je fasse mes 1h30, 2h de route pour aller les chercher et là, coup de théâtre. Ces deux jeunes passionnés avaient un stage de récupération de points. Je sais, c'est pas bien, mais ce stage de récupération de points était à 5 minutes de chez moi. Le monde est petit, le hasard fait bien les choses, donc ce moteur se retrouve chez moi et merci beaucoup à vous deux. Vous risquez de me voir souvent boire de l'eau parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de mon cheveu sur la langue. Alors oui, j'ai un cheveu sur la langue, j'ai toujours eu ça. Malheureusement, je suis fait comme ça. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer d'ailleurs. C'est pour ça que mes vidéos sont très longues à tourner parce que je répète souvent les mêmes phrases pour qu'elles soient à peu près normales, que j'articule bien. Et vu que j'ai tendance à répéter souvent les mêmes phrases, ça fait que j'ai la bouche sèche assez rapidement et je galère encore plus à parler. Si un jour vous me croisez dans la rue ou sur un événement, vous allez remarquer que j'ai pas mal de mal à m'exprimer. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne peux pas changer. Je suis fait comme ça, j'ai toujours parlé comme ça, à moins de vraiment ouvrir la bouche pour articuler, mais c'est ridicule. Donc je tenais vraiment et sincèrement à m'excuser auprès des gros cons qui sont gênés par ce problème. Voilà le moteur que ces deux jeunes ardéchois fougueux m'ont ramené à la maison. On en a vraiment chié pour le ramener jusqu'ici, mais le voilà. Donc c'est un 1,9 litre TD encore une fois, mais pas un D8A, c'est un DHY. La seule différence apparemment, ça serait un système anti-pollution à la con qu'on va virer dans tous les cas. Dans cette vidéo, je vais vous épargner le démontage de ce moteur. Vous avez déjà vu le démontage du 1,6 litre, le démontage du 1,9 litre D8A. Je ne vais pas vous repasser complètement le démontage de celui-là. On fera un truc en accéléré, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Comme vous l'avez remarqué dans l'intro de la vidéo, Max Pinpin sponsorise le projet Slipper de guerre. Donc c'est un GT2871. J'espère qu'il fera l'affaire. Si c'est pas le cas, ben, on changera. En tout cas, c'est très sympa de me proposer de m'aider. Donc voilà, j'ai choisi ce turbo pour le projet Slipper de guerre. Avant de vous expliquer tout ce qu'on va faire dans cette vidéo, je tenais à tous vous remercier pour la cagnotte. Elle a atteint les 10 000 euros, c'est fantastique. Ça va énormément m'aider pour ce projet. Vous êtes tous inscrits au concours pour gagner tout ce que je vous ai proposé. La seule chose que je regrette énormément, c'est que vous êtes plus de 800 à avoir participé et je me suis engagé à écrire chacun de vos noms sous le capot de la voiture. Donc je vais devoir écrire plus de 800 noms sous le capot de la bagnole. Des fois, je suis con. Comme vous le savez, le projet Slipper de guerre va être un projet qui va s'étaler sur pas mal de temps. Le problème, c'est que la Gauloise, en attendant, elle roule pas, alors qu'elle pourrait très bien rouler avec son TU3S. Donc dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est qu'on s'occupe de la Gauloise avant de lui monter son moteur d'avion, qu'on s'occupe de tous les problèmes qu'elle a pour pouvoir la passer au contrôle technique. Et j'espère que la bonnette marche bien là, parce qu'il y a énormément de vent, c'est un enfer. En gros, qu'est-ce qu'il faut à la Gauloise pour passer le contrôle technique? Un pare-choc déjà? Ça serait pas mal. Deux pneus neufs à l'avant. Et il va falloir qu'on démonte pas mal de pièces du train avant pour voir ce qui est abîmé. Parce que sur la route, c'est un putain de danger. Quand vous accélérez, elle tourne à gauche toute seule. Quand vous freinez, elle tourne à droite toute seule. Quand vous êtes à plus de 100 km/h, la direction est horrible. C'est un coup elle part à droite, un coup elle part à gauche. En gros, c'est une machine à tuer.
Donc actuellement dans l'état je roule pas avec, donc elle me sert à rien, elle est dans mon jardin, je paye une assurance pour rien. De temps en temps je la démarre pour la batterie et les seuls trajets qu'elle fait c'est pour aller jeter les bouteilles au conteneur qui est à 100 mètres de chez moi. Donc en gros dans cette vidéo on va s'occuper de ce problème là pour que je puisse rouler tous les jours avec. On va s'occuper aussi du bloc en accéléré parce que vous avez déjà vu le démontage des autres blocs. L'objectif c'est d'emmener le bloc et le vilebrequin chez l'usineur à la fin de la semaine pour le faire contrôler, faire les métrologies, tout ça, pour partir sur une bonne base. Je vais essayer de voir avec l'usineur si c'est possible que je filme ou pas les étapes du bloc. On verra bien, je ne l'ai pas encore contacté. Mais il y a un problème, sinon ça ne serait pas drôle. C'est que comme vous le savez, je sors une vidéo par semaine. La vidéo que vous allez voir ce vendredi, j'ai commencé à la tourner mardi. Là, aujourd'hui, on est mardi. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, il y a du vent. Bon, ça va, ça ne m'empêche pas de tourner puisque maintenant, j'ai ma bonnette. Bon, bâtard. Ça aussi c'est un problème, c'est putain de cabriant là. Donc je vous disais, le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui il y a du vent, donc ça va, je peux tourner parce qu'aujourd'hui j'ai une bonnette, avant j'en avais pas, mais à partir de demain il pleut jusqu'à la fin de la semaine. Donc là je vais pouvoir démonter, voir ce qu'il faut changer. Par contre, je pourrais peut-être pas dans cette vidéo remonter les pièces pour l'emmener au contrôle technique. Ça, c'est le gros problème quand on fait des vidéos à flux tendu comme je le fais. Moi, j'adore faire ça parce qu'au moins, vous êtes au courant de tout ce qui se passe très rapidement. Donc, chaque semaine, vous êtes au courant, quoi. C'est un avantage pour vous et pour moi pour pas se perdre dans tout ce bordel. Le souci, c'est que je travaille dehors. Donc, s'il pleut, ben, je peux pas tourner parce que je laisserai pas mon appareil photo sous la flotte et j'irai pas par terre dans l'eau pour me mettre sous la voiture. Vous comprenez bien. Le deuxième problème qui se pose avec ma cadence de vidéo, c'est que là, pour le projet slipper de guerre, je vais avoir besoin de commander énormément de pièces. Et si les pièces prennent du temps à arriver, je vais être un peu prisonnier des livraisons. Donc, je préfère vous prévenir à l'avance. À l'avenir, il risque d'y avoir des vidéos plus courtes, mais aussi des vidéos plus longues. Voilà, ça dépendra vraiment du contenu que j'ai à vous proposer sur la voiture. Je ne vais pas vous faire une vidéo d'une demi-heure pour changer de pneu. Vous voyez ce que je veux dire? De temps en temps, pour laisser un peu du temps aux pièces d'arriver, on va s'occuper aussi de la mulasse parce qu'on n'a pas fini la mulasse. Il y a encore pas mal de choses à faire. D'ailleurs, la prochaine vidéo que j'ai prévue sur la mulasse, je pense que ça devrait vous plaire. Bon voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez tout compris. J'ai peut-être été un peu confus parce que ça fait deux fois que je tourne cette scène parce qu'évidemment, j'ai oublié de mettre à enregistrer. Il est temps de la mettre sur ses béquilles. Je vous ai évité le montage fastidieux de la voiture. Elle est calée, elle ne devrait pas bouger. Et à peine j'ai touché les roues. Je ne sais pas si vous entendrez le clac, ni si vous voyez bien. Mais il y a un putain de jeu. Là, c'est pas la colonne qui tourne, hein. C'est vraiment le jeu dans la roue, quoi. Parfait. Ok. Là, on a du jeu dans cette rotule, donc je suppose que c'est la rotule de direction. Pareil, c'est un truc que j'ai jamais fait, hein, donc je découvre en même temps que vous, si vous l'avez jamais fait aussi. Il y a du jeu là également ici, quand je bouge tout le bordel, donc triangle, enfin ce qu'ils appellent un triangle sur une 205. Il faudra le changer. Je suppose qu'à ce niveau-là aussi, ça doit être mort. En fait, il y a tout qui bouge. Il y a tout le bloc qui bouge, ça fait bouger carrément l'amortisseur. C'est costaud quoi, en fait je pense qu'il y a vraiment tout à changer. Là le but ça va être vraiment de la rendre potable pour le contrôle technique sans trop dépenser d'argent parce que dans tous les cas le train avant on risque de le changer pour un train avant de TD ou alors de GTI. C'est les mêmes sur les 1.6. Voilà, pour avoir un triangle plus costaud et que ça tienne mieux la route quoi. Donc là le but, démontage pour remontage de pièces pas chères pour le contrôle technique. Je me suis peut-être pas mis au meilleur endroit parce que j'ai très très peu de place, j'ai le cul contre une vitre là. On va commencer par démonter l'étrier. Je vais y aller pas à pas parce que là vraiment c'est tout nouveau. J'avais fait les triangles sur la C3, le triangle, j'en ai fait qu'un. Mais là ça a rien à voir avec la C3 au final. Ok. Ok. De ce que je vois, les plaquettes sont neuves. Donc ça c'est une bonne chose. Ok. Boah. Oh, il sortira pas facilement celui-là. Faut lui frapper sur la gueule. Ouais, bizarrement, ça sort d'un coup beaucoup mieux là. Lui, on va l'attacher à l'amortisseur. Si je l'attache, c'est pour éviter que la durite de frein soit en tension avec le poids de l'étrier. En plus, c'est pas un étrier super léger quoi. Ah putain, ben voilà, parfait la tension. Alors là, s'il fuit pas, carnage ce mec, carnage. Ok, la rotule elle est toute pourrie là. Oh la crasse qu'il y a dessus. Je vais lui foutre un coup de brosse là. Bon là lui du coup je vais le démonter,
Je vais venir desserrer ici, je pense, avant. Mais je ne sais pas si c'est bien ce que je vais faire, mais je vais venir mesurer la longueur qu'il y a ici, sur le filetage, pour essayer au remontage avec la pièce neuve de remonter à peu près comme c'était, quoi. Je ne sais pas si selon les pièces, ça change de taille, la rotule, mais écoutez, ça me paraît assez logique d'enregistrer le réglage qu'on a maintenant. Donc là, on a combien? On a ouais, à peu près 1 cm. Je vais même faire un petit repère au stylo blanc pour mesurer et m'en rappeler quand je remonterai la pièce neuve. C'est des précautions que je prends pour me rassurer moi. 22. Alors, est-ce que ça va sortir facilement? Facile. Maintenant, la rotule. Oui. Facile aussi. J'espère que vous y voyez quelque chose, parce qu'il y a le soleil qui est revenu. Il risque d'avoir un beau contre-jour, là. Ok. Rotule de direction, ça dégage. Oui. Oui. Oui, je l'ai eu. Ok. Ouais. Elle est usée aussi. Là, je sais pas s'il faut que je vienne retirer ça en premier, ou que je fasse tomber la rotule. J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il faut que je détache le cardan pour pas faire couler la boîte aussi? Oh la loose. Ah là, je sais pas du tout. Je vais quand même essayer de sortir le cardan. Ah, j'aurais pas la bonne douille. Oh, je l'ai eu quand même. Sans utiliser la bonne douille. Incroyable. Là, vous êtes de l'autre côté. Mais je viens de sortir le boulon du cardan. Ça doit être du 30, je pense, un truc comme ça. Je l'ai sorti avec une douille de 32 parce que je suis désespéré. Et c'est bon, je l'ai sorti. Par contre, j'irai acheter la douille pour le resserrage, ça c'est obligatoire. Alors, ça bouge. Donc déjà, il n'est pas bloqué dedans, ça c'est une bonne chose. Par contre, je pense qu'il faut que je vienne désaccoupler en bas là. Ouais, j'aurais pas le choix. Il y a un boulon de l'autre côté, ouais. Je suis désolé si vous ne voyez pas grand chose, moi non plus. On va bloquer de l'autre côté. Ok, la vis, elle est sortie. Maintenant, il faut qu'on sorte le triangle de la... Comment ça s'appelle déjà? De la fusée. Ça commence à sortir déjà, c'est bon signe. Comment je vais sortir ça, moi? On y est presque, on y est presque. Oh, je suis en train de devenir fou, regardez ça. Il est presque sorti, là, il y est. Ah, ça fait un moment que je tape dessus, que je fais tout ce qu'il faut. Enfin, tout ce qu'il faut, je sais pas. Parce qu'évidemment, je veux trouver la solution tout seul. Je suis têtu. Je vais essayer de foutre ma barre, mon tube d'antenne que j'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente pour démonter la poulie d'ampeur. Je vais essayer de faire levier, on verra bien. S'il te plaît, sors. Toute la voiture, elle bouge. Ah! Je l'ai eu, là, non? Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'ai eu. Putain, c'était tout simple, en vrai. Ah, oh, c'était facile, en vrai. Ah, oh, c'était trop simple. Ok, je suis content, là. Ah, oh, je suis content. C'est bon. Ça sort. À l'aise. À nous deux. Ça tourne de l'autre côté. Ok. Ça, c'est sorti. Une rondelle à pas perdre. Ok, encore une rondelle. Tout devrait sortir. J'ai bien dit logiquement. Putain, sors toi aussi là-bas. Allez là, putain, mais viens. Viens, tu verras, on est bien. Qu'est-ce qui me passait par la tête encore là? J'aurais dû faire comme Villebrequin, j'aurais dû parler de bagnole et faire le travail par d'autres personnes. Pff, oh putain. Il y a sûrement un truc que j'ai raté ou que je sais pas faire. Mais là c'est bon, je pense que je l'ai eu là. Yes, je l'ai eu. Maintenant, la mission, sortir ce putain. C'est bon, il vient. Oh là là, soulagement. Oh, ça y est. Ça y est, je l'ai. Bon, maintenant je sais comment on fait. Ce sera plus facile de l'autre côté. Est-ce qu'on profiterait pas pour démonter la fusée aussi?
pour la nettoyer. Comme ça, le mec du contrôle, il va descendre sur la voiture, il va dire « Putain, c'est neuf. » Ouais. Hop, ça dégage. Allez, sors, cardan. C'est bon, cardan sorti. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance qu'il sorte aussi facilement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais gros chanceux, là. Yes! Voilà le bordel que ça a été pour sortir. La fusée, avec le disque, la rotule de direction et le triangle. Voilà ce qui sert de triangle sur une 205 de base. Sur les modèles TD et GTI, c'est des triangles qui ressemblent plus aux triangles récents. Enfin, c'est des triangles quoi. Voilà, là c'est une tige. J'appelle pas ça un triangle, c'est une tige ça. Voilà, donc ça, on change. Ça, je démonte, on nettoie, on fait tout neuf et on remonte. Peut-être pas dans cet épisode parce que j'aurais pas reçu les pièces sûrement. Mais sûrement dans le prochain épisode, on remonte tout le train nickel. Je m'occupe de l'autre côté hors caméra, on se retrouve après. Voilà, l'autre côté est fait. Franchement, sans caméra et avec la bonne technique, ça m'a pris, allez, même pas 10 minutes. Top. Bon, par contre, voilà, lui, il est bien éclaté comme il faut. Ou j'ai failli péter l'appareil photo. La rotule, là, ça va être compliqué à une main. Mais elle est morte complète, il y a un jeu de malade dedans. Lui aussi. Il est bouffé qu'il n'en peut plus. Donc ça, c'est le côté qui bougeait le plus. Donc un triangle a changé. La rotule, c'est pareil. Rotule, il y a du jeu de malade dedans. Je comprends mieux pourquoi c'était une machine suicidaire. Et là, ça, du coup, ben, je l'ai démonté aussi. Et je me rends compte que les disques, ils sont un peu fatigués. Donc autant je changerai les disques. Ça serait plus joli en plus. Je vais en profiter pour nettoyer les fusées parce que voilà la gueule qu'elles ont. Quoi. Elles sont pourries. On dirait qu'il y a de l'huile qui a coulé pendant des années dessus. Donc voilà. On commande des pièces et si je les reçois à temps, peut-être que ça sera dans cette vidéo, sinon dans la prochaine. Je profite d'une petite pause pour vous parler de quelque chose, vous raconter une petite histoire. Quand vous faites des vidéos sur YouTube et que vous commencez à faire pas mal de vues, que vous commencez à avoir pas mal d'abonnés, vous avez beaucoup de sociétés qui vous contactent. Jusque-là, tout est normal. Des sociétés européennes, des sociétés chinoises, du monde entier, pour vous proposer des produits à essayer. En général, je refuse les trois quarts parce que ça n'a rien à voir avec ce que je fais sur ma chaîne. Récemment, une marque m'a contacté, une marque de covering, voilà, une marque chinoise. Ils me demandent si ça m'intéresse, sur le coup je leur dis non, parce que j'ai aucun intérêt à prendre des trucs de covering. Et finalement, je me suis dit pourquoi pas, soit sur la mulasse, soit sur la gauloise, peut-être faire une pièce noire ou peut-être un capot noir, une connerie comme ça. On se met d'accord avec le mec et il m'envoie le produit que je reçois. Voilà, le produit est là. À aucun moment dans la discussion, on a parlé de faire une vidéo rapidement de ce produit. Et là, premier message, même pas quelques jours après l'avoir reçu. Oui, alors la vidéo, elle n'est pas sortie encore et tout. Bah non, je viens de recevoir, j'ai pas encore fait la vidéo forcément, ça peut prendre du temps. Je suis vachement occupé sur le moteur de mon futur projet et j'ai beaucoup de vidéos à préparer avant de faire ça. Quelques jours plus tard, bon, il faudrait que tu te dépêches, machin, yana, on n'a pas que ça à faire, en gros, je vais me faire virer, mon patron, si, ça. Mec, il force. Ça recommence, il m'envoie des messages pour me dire que voilà, on s'était mis d'accord sur une semaine après la réception, tout ça. Pas du tout. Donc le mec s'énerve, donc à mon tour, je lui dis, bah tu sais quoi, pas de souci, je vais te faire une pub. Le produit, je vais quand même vous le montrer. Voilà, c'est un tube de cette longueur. Sur 5 mètres de long de covering noir mat profond, moi ce que je vais faire, c'est que je vais vous l'offrir. Si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire, je veux ce tube de forceur. Et dans la prochaine vidéo, je ferai un tirage, vous savez, aléatoire avec la souris là, et je tomberai sur un nom. Si jamais ça tombe sur ce commentaire, tu gagneras ce tube. Je vous le donne. Au début de la vidéo, vous avez sûrement aperçu un engin incroyable. Cette Twingo avec un putain de réacteur d'avion. Je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, je suis chez Pascal Dragotto. Monsieur Dragotto. Tu vas bien? Ça va et toi? Ben écoute, impeccable, regarde, tu es venu nous voir. Ça fait plaisir de voir enfin tes engins que je vois partout sur Instagram et sur YouTube. Eh ben ouais, moi ça me fait plaisir que tu sois venu. Tu as pu essayer, donc tu vois un peu ce que ça donne. Ce qu'il y a là-dedans, c'est un truc de malade. Tu vas nous expliquer ce que tu as mis dedans? Eh ben oui, en fait, ça c'est c'est un réacteur de Fougas Magistère, c'est les anciens avions de la Patrouille de France. Ouais. Donc elle développe 2200 chevaux. 2200 t'imagines chevaux. Dans une Twingo. 2200 chevaux. Bon, et ben, du coup, ça prend toute la longueur de la voiture, tu vois, donc c'est... Eh oui. Parce ça que... marche au kérosène, au gasoil. Ah, ça marche au gasoil aussi? Oui, ça marche au gasoil, ça marche au fuel domestique, ça marche au whisky, à tout ce que tu veux. Tout ce qui brûle, ça marche.
Voilà. C'est énorme, la turbine, quoi, c'est immense. C'est un engin de dingue. Cette odeur un peu, t'as vu, cette odeur de kérosène, etc. Là, donc c'est... Bah, la dernière fois que j'ai senti cette odeur, c'était à Zurich, à l'aéroport. Donc, Bah, nous, ça sent tous les jours, cette odeur-là. C'est vrai que ça sent fort. Hein. Ouais, t'as vu un bel engin, voilà, donc t'as des batteries pour la démarrer, t'as des extincteurs automatiques. Tout est doublé à l'intérieur, ouais. Au niveau de la sécurité. T'as des coupures mécaniques, électriques, etc. Donc... Le but, c'est à chaque fois qu'on monte à l'intérieur de la voiture, le but, c'est de dormir à la maison le soir hein, et pas à l'hôpital ou voir... Pas de brûler, quoi. Ouais, voilà, ouais, forcément. C'est mieux. Donc, avec ce genre d'engin, on déconne pas. Ça, c'est pour le démarrage. C'est juste pour le démarrer, c'est juste pour lancer le démarreur. 28 volts pour démarrer, donc à mon avis, il faut pas mal de couples. T'imagines un peu ? Donc, ça fait... C'est énorme. C'est énorme. Bah, un camion, c'est 24 volts, donc là... Voilà, là, c'est encore plus gros. Mais tu vois le démarreur, il est là, regarde. Ouais. Tu vois le gros tout, truc ? Tout ce machin, là, c'est le démarreur. Hein. Voilà, au-dessus, là, c'est... Voilà. Pouah, c'est immense. Tout sur mesure. Voilà, après, toute l'instrumentation, c'est vraiment l'instrumentation du Fuga Magister. Ouais. Tu vois, donc on a tout récupéré avec mon pote Laurent, donc c'est lui, avec lui qu'on a fait ce montage-là. Et là, c'est... En gros, c'est un swap avion, quoi. Voilà, c'est le plus gros turbo du monde, en fait. Le plus gros turbo. Quand il y en a qui te mettent des gros turbos, là, tu vois aussi, c'est un gros turbo, mais on l'a mis... C'est carrément le turbo qui fait avancer la caisse, quoi. Ouais, parce qu'en vrai, tout le moteur, il fait la longueur de la Twingo, au final. Voilà, mais il s'arrête là, tu vois, ici, tac. Donc ensuite, là au milieu, après on a la tuyère qui pousse la voiture. En fait, là, il n'y a pas d'entraînement des roues, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est juste la poussée qui fait avancer la caisse. Hein. C'est une chariote, en fait. Voilà, en gros, c'est un karting. C'est un skateboard, quoi, tu vois. Caisse voilà. À savon. Voilà, exactement. Et ouais. Le réacteur pousse et... T'as quand même mis des freins dessus. Oui, il y a 4 disques ventilés, des étriers, 4 pistons à chaque roue, plaquette carbone. On a aussi un parachute à l'arrière que tu vois là, ici. Voilà, ça c'est quand ça va vraiment vite sur les pistes d'avion, quand on la lance vraiment vite, Tu le déclenches des fois ? Ouais. Bon, après, maintenant en général, on s'en sert plutôt pour faire, tu sais, du show, du dérapage, etc. C'est plus dans ce sens-là. Hein, ouais. Parce qu'au niveau vitesse, c'est un petit peu compliqué. Puis, ce que je dis à chaque fois, quand tu la vois passer vite, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, t'es tout attaché, harnaché, machin. On met un minimum de carburant, juste ce qu'il faut pour faire le... Et une fois qu'elle est passée, elle est passée. Ouais. Alors que là, on part avec le plein. Malheureusement, on ne peut pas s'attacher dedans quand on fait nos shows parce qu'on sort, on va dans le public pendant qu'elle tourne. Mmh. Donc le temps de mettre le harnais, tu perds 30 secondes. Et 30 secondes ici, ça va vite. Ouais. Faut savoir qu'elle consomme 72 litres de carburant pour 4 minutes 30, je sais pas si tu vois. Ça va, tu vois. Ouais, presque autant que la gauloise, quoi. Ouais, en gros. Ouais, voilà. C'est ça. Tu vois, la gauloise, je pense que... Ouais, on est à 100 litres. On consomme un peu plus, ouais. Et tu vas voir le réservoir ? Tiens, ouais, vas-y. Il est là. Regarde. Ouais, donc ça, c'est l'arrivée d'air. Voilà, donc là, en fait, devant, il ne faut pas passer devant à moins de 5 mètres. À moins de 5 mètres ? Ah, sinon, tu aspires. Donc là, c'est... Ah, tu t'aspires carrément ? Ah, ouais, on rigole pas avec ça. Quand ça souffle. Ouais, c'est pas cette grille qui va t'arrêter, quoi. Non, là, c'est vraiment juste pour, on ne sait jamais, papillon, mégot, n'importe quoi, tu vois. Donc là, c'est l'alimentation post-combustion. Oh là là là, oh la taille du bordel ! T'imagines ? Mon Dieu. Quand on envoie la grosse flamme, c'est 7 litres par seconde. 7 litres par seconde. Voilà, t'imagines ? Quand on envoie un coup de grosse flamme, il y a 7 litres qui partent. Tu l'allumes pas longtemps, quoi. Non. On essaie de pas trop en faire, sinon il va y avoir que de la flamme et c'est terminé, quoi. C'est dingue, quand même. C'est un sacré engin, quoi. Ouais. Et tu me disais, le train arrière, c'était un train de... Alors, en fait, c'est un train arrière de Twingo qui a été entièrement modifié. Et par contre, il y a des amortisseurs d'F1. D'accord, qui étaient montés sur les Tyrell. Les Tyrell, c'était des Formule 1 à 6 roues. Et Conny, notre partenaire, nous a filé tout un lot d'amortisseurs qui leur restait. Et on les a adaptés, on l'a mis dessus. Ça, c'est les bagnoles de F1 des années 70, Ouais, je dirais. Ouais, 80, oui, il n'y en a pas eu énormément. Non, des 6 roues, il y avait 4 roues devant et 1 roue derrière. Ça a été un délire qui n'a pas resté longtemps, ça. Écoute, on a récupéré les amortisseurs, au moins ça servait au moins pour ça. C'est dingue. Et du coup, ça a amorti la Twingo. Et puis à l'avant, Conny nous avait fait des amortisseurs spéciaux pour pouvoir aussi encaisser le couple, quoi. En fait, tu possèdes la Twingo la plus puissante du monde. Je pense, ouais, 2200 chevaux. Moi aussi, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer dans ton garage, regarde, une Porscherie. C'est une véritable Porscherie ici. Une GT3 RS. 415 chevaux. Oh, la couleur. Voilà ça. Oh. C'est covering sur le capot ? Ouais, ça c'est covering. Elle est flambante. Elle pète, hein ? Ah ouais, il n'y a pas une rayure. Hein. Non, attends. Là, je suis un grand maniaque, hein, donc dès qu'il y a un petit truc, pareil. Donc là, c'est d'M3 E46. Ouais. Donc sa particularité, donc c'est une voiture de show aussi. On fait tout un tas de show, on les met en toupie, on sort avec mon fils. Là, en haut, t'as une Z4M. Et celle-ci, sa particularité, c'est qu'elle est pratiquement entièrement en carbone. Tu veux voir le moteur ? Vas-y. Allez, tiens. Je vais pas te dire non. Hein. Ah, même le logo, il est en carbone. Tout ? Ouais. Oh mon Dieu. Oh la barre au milieu. Oh. T'as vu ça ? Ah oui, d'accord. Ah, c'est vrai qu'elle claque. Ouais, elle est bien préparée. Ça, c'est pas d'origine, ça ? Non. Ah voilà, oui.
piscine d'admission. Ouais. Bref, là, il y a 300, elle sort 375 chevaux. Putain, c'est beau. C'est, mais bon, on s'en sert que pour. Elle fait pas de drift, là, tu vois, parce que bon, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de drifter avec une voiture qui est toute en carbone. Elle prendrait un peu des coups et ça nous coûterait un bras. Donc on s'en sert vraiment que pour nos shows quand on fait nos démonstrations. Mais ça c'est un petit peu compliqué maintenant de faire des shows. Le problème, c'est au niveau des traces, tu laisses des traces de et pneus, etc. Donc c'est. Ouais, voilà, ils sont de plus en plus casse-couilles, quoi. Ouais, voilà, donc on l'a. C'est pas qu'on les a délaissés, on va les ressortir. Il faut que tu fasses dans la rue, ça. Non. Hein. On travaille pour la prévention, on fait, c'est notre boulot principal. Faire, c'est faire des crash tests pour la sécurité routière. Donc forcément, je vois pas sortir avec ça dans la rue, faire les cons avec. Bon, tu viendras pas faire le con avec moi, avec la gaulose, du coup. Non, mais je viendrai te regarder. Non, tu feras pas le con. Je viendrai me regarder. Regarde, on peut filmer avec. Donc là, c'est une caméra car, c'est un Porsche Cayenne de Turbo S. Ouais. Donc il fait 550 chevaux. Ah, il fait 550 chevaux, lui ? 550 bourrins, t'imagines le bordel ? Ah, c'est oui, quoi ? Tu veux l'entendre démarrer ? Vas-y. Ben, tu vas halluciner. En fait, c'est fait pour les films d'action, pour faire des poursuites. Donc ouais, forcément, ouais. Il faut que tu puisses... Il faut que tu puisses ouater, quoi. T'imagines l'engin ? Échappement complètement libre là. Ah bah là il est libre, ouais c'est une ligne complète. Mais comme avec ce type d'engin on n'enregistre pas les sons. Ouais. Donc on s'en fout quoi. Voilà. Ouais t'as pas de clapet, t'as rien dessus ? Non, il n'y a pas de clapet là, c'est direct. Il y a quand même un gros pot derrière. Mais ouais. Mais attends, mais tu roules que sur circuit sur ça là ? On roule sur la route quand même, on roule un petit peu sur la route. Mais après là c'est parce qu'il est froid, après il diminue. Oui. Mais t'as le droit de rouler sur la route avec le gros bras dessus là ? Alors avec le bras, bon là on a mis des caches. C'est plus, tu sais, pour la lumière, mais fait qu'après on enlève nos caches, tu vois. Ah ouais, d'accord. Voilà, et on peut rouler sur la route. Et là, street légal. Voilà. Parfait. Nickel. Et là, c'est street pas légal. Tous les véhicules que vous voyez dans les films Fast and Furious, machin, tout ça, tous ces véhicules-là sont toujours normat. Tu vois, je savais pas ça. Là, pareil, il y a une bavette qui permet aussi. Pour les graviers. Quand tu filmes, ouais, voilà, ou la poussière ou autre, de pas renvoyer vers les acteurs ou autre. Donc, voilà. D'accord. Et donc ça tourne en 360, ça monte à 3 mètres de haut, oh là et ça descend au ras du sol. Stabilisé, tout. Voilà, c'est tout stabilisé. Et puis après, tu as encore un autre stabilisateur avec les caméras. Il y a des caméras qui peuvent coûter. Ouais, c'est des trucs gyroscopiques, là, je sais pas quoi. Là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est vraiment. C'est ouf. Ça vient des États-Unis, car voilà. Il y a des écrans partout, il y en a devant, derrière. Ah ouais, t'as des, si tu des veux, retours. Il y a le réalisateur, il y a l'opérateur bras, tu as le caméraman, tu as le pointeur, tu as le pilote, et puis tu as des fois le cascadeur qui monte dedans quand il y a des poursuites ou autres, c'est lui qui dirige la cascade, c'est lui qui monte à l'arrière. Ouais, t'as des caméras partout, quoi. Il y a deux turbos. Biturbo. C'est beau, hein ? C'est beau, hein ? Ouais, bon, après, là, c'est que du plastique qu'on voit. Ouais. C'est... mais c'est quand même imposant, quoi. Exactement. Ouais. Regarde-moi ça. Donc là, c'est une légende car. Une Ford Sedan qui est représentée au 5/8. Donc, elle est toute petite, tu la vois. Hein. Ouais. Et on a mis un 1340 Hayabusa. Donc, 200 chevaux pour 480 kg, tu peux imaginer. 180 kg, ça fait ça ? 480. Ah, 480, kilos. Tu m'as fait peur. Non. Ah. C'est tout petit. Ah, ben, c'est énorme. Mais c'est pas... Enfin, c'est petit, mais ouais. Ils font pas des courses en Angleterre avec ça ? Exactement, ils en font même en France aussi. Ben, ça accélère, c'est énorme, l'accélération que ça a. Et nous, on s'en sert pareil pour faire des shows. Donc, on la met en toupie, on sort de la voiture, on rentre en courant dedans, on nous tire dessus au pistolet, voilà. Tu tires dessus carrément ? Ouais, carrément, ouais. Ah, ouais. Voilà. Et on l'arrête. Voilà. Bah, tout va bien. Donc là, on la met dans cette position-là, tout simplement parce qu'il y a 6 litres d'huile dedans. Ouais. Et en fait, donc il y a les réservoirs à l'arrière, etc. Le problème, c'est que souvent les embrayages se collent quand elles ne tournent pas pendant un moment. Donc tu es obligé de lui donner une assise comme ça. Et là ça va mieux. Sinon, il faut tout démonter. À chaque fois, c'est une galère. Ici, tu as l'arbre. Et puis à la sortie, un chien, paf. Et on a un arbre de transmission qui va jusqu'à l'arrière. Ouais, c'est quand même encore un truc de sorcier, ça. C'est excellent. Alors, t'as le compteur d'origine et tout. Voilà, de la Yabusa. Un truc qui me plaît déjà, là. Regarde. Qu'est-ce que c'est, ça ? Regarde-moi ça ! Putain. C'est une 2 litres, ça, soupape. Ah, c'est une 2 litres, ça ? Eh oui, regarde. Ah, c'est pas une mulasse ? Ouais, c'est une mulasse, mais... Regarde-moi ce moteur. Ah. T'imagines ? Il est neuf. Il est nickel, hein ? Il a 82 000 km. Putain. 82 000 km. Bah écoute, on avait acheté le moteur, parce que c'est presque un Clio Williams, hein, à part que c'est, ouais. Là, c'est un peu modifié, pour le mettre dans la Clio. Et quand on est allé en Normandie pour acheter ce moteur, il y avait la voiture avec, parce que forcément, elle était dedans, mais nous, la Mégane, on s'en foutait un petit peu. Mais quand on est arrivé, on a vu que la voiture était dans un état concours. Ouais. Donc on a dit, merde, mais on... Ouais, c'est con d'enlever, quoi. Ouais, c'est con. Donc du coup, on l'a gardée. C'est pas une voiture que tu vas casser, ça ? Non, celle-ci, d'accord. Je vais la garder. Bah en fait, celle-ci, on va rouler avec, quoi, tu vois. Mais ça fait quoi, déjà 3 ans qu'on l'a.
Et j'ai jamais roulé avec. Ah, t'as jamais roulé avec? J'ai jamais roulé avec. Mais quel gâchis. Ouais, mais il faut que je la passe au CT. Je crois qu'il y a un problème d'airbag, un voyant qui reste allumé. Donc tu t'imagines pas comme c'est un plaisir de rouler en mulas? Ben écoute, j'en ai eu une il y a quelques temps, c'est pour ça que je voulais la garder. Ouais. Je pense que ça va être sympa. Et regarde, tu vois, quand on veut se faire plaisir, après, voilà. On a... Tu vois, t'as toute ma collection. Une voilà. 205, une Mégane. T'as vu? Incroyable. On a tout. Moi, celle-ci, par contre, c'est pas pareil. C'est pour partir dans le désert, on fait des raids. Ouais. Voilà, on va faire un raid humanitaire, le 205 Africa Raid. Et on part avec cette caisse. Elle est propre. Donc là, c'est un moteur 206 XS qui est dedans, 90 chevaux. Ah, c'est 206 ça? Ouais, c'est une 206. Ah ouais. Et t'as dû adapter beaucoup pour le passer ou ça se monte Non, ça se monte assez facilement. Ouais, c'est les mêmes supports et tout facilement. Ouais. D'accord. Par contre, après, il y a eu de la modif un petit peu au niveau de l'électronique. Il y a trois trucs, je sais pas si tu vois, un petit peu tous les conduits, etc. Ah, on a tout renforcé pour pas être emmerdé dans le désert. T'as un radiateur gros volume? Ouais, de GTI. Dernièrement, on a enlevé les tambours, on s'est dit, tiens, allez hop, on passe tout en disque. Oh, c'est propre ça. Hein, tu vois? Ça, c'est propre. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. J'ai un compresseur qui me permet de gonfler et dégonfler les roues tout en roulant. Et oui, par rapport au sable. Exactement. Comme ça, quand tu arrives dans du sable, tu mets 300 grammes. Et quand de suite après, il y a de la caillasse, tu regonfles, les quatre roues se regonflent. Mais attends, mais comment ça fonctionne? T'as une petite pompe électrique Ben, en fait, si tu veux, il y a. Tu vois, ici, y a quelque chose qui vient se mettre sur la roue. Bon, là, tout est démonté. Hein. Ouais. Et donc, du coup, ben, on gonfle et on dégonfle. C'est excellent. Franchement, d'accord. C'est top. Regarde, une Smart avec un 1000 GSX-R. 1000 GSX-R. Voilà, full, 170 chevaux. Donc, avec ça, c'est sympa. Et où c'est qu'on peut les voir tourner, toutes ces voitures-là? Bah écoute, il y en a certaines qui tournent, d'autres qui ne tournent pas. Si tu veux, des fois, on lance des projets, on commence. Moi, il me faudrait 10 vies pour tout finir. Mais bon, celle-ci, elle est opérationnelle. Mais tu vois, bah, avant de la sortir, je veux qu'elle soit nickel, donc il faut que je fasse refaire. Mais t'avais pas fait de vidéo avec rien? Non, il y a longtemps qu'on l'a commencé, celle-ci. Mais non, on n'a jamais fait de vidéo. D'accord. Donc, ça viendra, hein, pourquoi pas. Ça, je l'ai déjà vu. Ça, c'est la vidéo que tu as fait avec Pog. Exactement. Donc, tu vois, ben, on a gardé l'avant parce qu'il était hors de question que ça parte à la casse. Hein. Ouais. Donc ça, pour moi, avant même qu'on la casse, je savais déjà que j'allais le récupérer. Et tu vois, la chance qu'on a eue, c'est qu'on n'a pas cassé les phares. Il y en a juste un qui est pété là-bas. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous l'avez vu la vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, allez la voir directement sur sa chaîne. Je vous la mettrai en description. Ils ont pété la Rolls. Je vous jure que quand ça frappe, la Rolls, ça ne bouge pas. C'est un truc de fou. Par contre, l'autre voiture, je vous laisse la surprise, mais... Il n'a pas aimé, hein, mais bon. Elle a pris cher. Mais avant qu'on nous insulte, la Rolls, c'était un morceau de fer, elle était toute pourrie, etc. On l'a refaite belle, mais bon, voilà. Commencez pas à dire, ils ont pété nos Rolls. Elle était pourrie, franchement, il y en avait pour 20 000 euros avant démontage pour la refaire. D'accord. Donc une Rolls, tu en trouves à partir de 10, 12 000, ouais. Donc aucun intérêt. Donc voilà. Il y en a beaucoup qui n'ont pas compris, malheureusement. Ouais, mais tu m'avais dit que c'était ton rêve, ça, de péter une Rolls. Ah non, mon rêve, c'était péter une Rolls, tu vois. Voilà. On l'a fait. Rêve de gamin accompli. Exactement. Et là, tu as une Kia 4. Toute neuve, je crois qu'elle a, elle a 100 km, je crois, 120 km. Et pourquoi t'as ça? On roule sur deux roues. Donc elle a qu'une roue. Ah, tu roules sur deux roues? Ouais, on roule sur deux roues avec. Elle avait un petit défaut. Ouais. Donc du coup, ben, chez Renault, quand il y a un défaut, il ne les repasse pas en chaîne quand c'est un défaut assez important. Elle ne peut pas rouler sur la route? Non, il n'y a pas de carte grise. C'est une voiture qui devait être éclatée, on devait faire une cascade avec. Ouais. Et puis du coup, on a réussi à la récupérer. Donc voilà, on a fait. Elle finit sa vie, elle roule comme ça, c'est bien. Donc ce moteur, il est dans le livre des records. Ouais. Parce qu'il était monté sur un châssis qui était très très léger. Et ils ont atteint 348 km/h en 2 secondes 5. Oh. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est énorme. Ils atteignaient 0 à 190 km/h en 17 mètres. Ouais. Donc c'est un truc énorme. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Alors, je l'avais vu tourner une fois et quand je l'ai vu tourner, j'ai dit ce truc, je le veux. Et tu l'as eu. Bon, en fait, tu réalises que des rêves de gosse au final. Hein. Bah, on essaye, mais après, c'est, bon, c'est compliqué. Hein. C'est pas toujours rose. Hein. Mais bon, on se fait plaisir de temps en temps. Au moins, tu prouves bien que tout est possible. Exactement. Voilà. Quand il ne faut jamais lâcher. Voilà. Donc, je sais que tu vas y arriver toi aussi avec ton moteur. Eh ben, j'espère. Hein. Ouais. Parce que c'est mal parti. Hein. Eh ben, justement. Justement. On a un truc pour toi. Là. Bon, du coup, Pascal a un cadeau pour moi. Si avec ça, c'est pas bien. Ah, ça, c'est magnifique. Elle est nickel. Écoute-moi, elle est neuve, je crois. Enfin, quand je dis elle est neuve, je crois qu'elle a 77 000 ou moins de 80 000 km. Voilà. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est une boîte de vitesse de 1,4 litre. Oui, c'est ça. Donc TU. Ouais. Voilà. Donc ça va me servir pour la Gauloise avant de la swapper, avant de lui mettre son gros moteur. Et ça va me servir un peu plus tard, mais ça, je peux pas vous le dire maintenant. Ça sera une surprise dans quelques semaines. Voilà. Mais voilà, je vais pouvoir enfin rouler grâce à toi. Eh bien, écoute, ça me fait plaisir, franchement. Avec la Gauloise. Eh bien, comme ça, au moins, on aura participé un petit peu à l'avancement de la Gauloise. Au moins, tu pourras au moins l'essayer et puis... L'essayer, je peux rouler avec. Le problème, c'est qu'un jour, la boîte, elle va passer à travers. Eh bien, voilà, là, au moins, elle passera pas à travers. Ouais. Tu pourras rouler tranquille. Là, parce que pour l'instant, je prends la mulasse.
pour rouler. Oui. Mais le problème, c'est que maintenant qu'elle est trop basse, eh ben, je passe plus partout. Exactement. Et ouais. Oui. Donc voilà, la Gauloise, tant qu'elle ne sera pas swappée, elle roulera avec cette boîte. Eh ben écoute, avec ça, c'est parfait. Merci, ouais, mec, t'es au top. Tranquille. Non, c'est toi qui es au top. C'est incroyable. Avant de reprendre cette vidéo, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que je vous ai chopé un code promo sur Max Spinning Rods, Max Spin Pin, de 10% avec le code promo BORDEL. En description de la vidéo, vous avez un petit lien pour aller sur le site de Max Spin Pin. C'est un lien un peu spécial. Merde. Il est un peu spécial parce que si vous cliquez dessus, Max Spin Pin voit que vous venez de ma vidéo directement sur leur site. Donc même si vous n'avez pas envie d'acheter quoi que ce soit, cliquez quand même sur le lien, comme ça Max Spin Pin voit qu'ils m'ont pas envoyé ça pour rien et continueront à m'envoyer des trucs, même peut-être des choses à vous faire gagner. J'espère vraiment que vous avez apprécié le passage avec Pascal Dragotto, c'est un mec comme ça, enfin toute sa famille est comme ça, c'était pas prévu, je suis parti comme ça pour aller le voir et récupérer du coup la boîte pour la Gauloise. Si vous voulez aller voir ce qu'il fait, je vous mets le lien de son Insta et de son YouTube dans la description, franchement, ça vaut le détour, allez voir, il fait que des conneries. Ce que je vous propose maintenant, c'est un démontage en musique. Bon, ben, comme vous avez vu, c'est un moteur tournant, en très très bon état, ça fait super plaisir, il est très très propre. Je pense que ça va être une très bonne base pour notre projet. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, marquez-moi en commentaire, 300 chevaux, facile. Dans le prochain épisode qui concernera le moteur, j'aurai un peu plus d'équipement pour travailler dessus. C'est pour ça que là, j'ai démonté que la culasse, parce que franchement, il est plein d'huile et j'avais pas envie d'en foutre partout. Donc là, il y a du matos qui arrive, on va pouvoir le relever enfin, je vais arrêter de me casser le dos au sol. On va pouvoir le dépiauter complètement. Dans le prochain épisode qui concernera le moteur, je dis bien le moteur, parce qu'il y aura des épisodes sur la Gauloise aussi. On finit de le dépiauter, on l'emmène chez l'usineur, on lui fait faire tous les contrôles, la métrologie, contrôler le vilebrequin, parce que le vilebrequin, je pense que je vais garder celui du TD pour avoir un maximum de couple et de solidité. Pour compenser le poids du vilebrequin, je pense qu'on va faire réusiner le volant moteur pour gagner un peu de poids. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Ce week-end, je finis d'enregistrer tous vos noms pour la cagnotte. Une fois que c'est tout enregistré, que j'ai tous vos noms, je supprime la cagnotte, on récupère les sous et on commence enfin à commander les pièces pour transformer ce moteur TD diesel en moteur monstrueux essence. Sur ce, je vais vous laisser là. Désolé pour cet épisode un peu bordélique, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Un peu comme d'habitude, bienvenue sur Au Bordel. On dirait pas, mais le projet avance à grands pas de mon côté. Je commence vraiment à avoir des bonnes idées pour ce moteur. Et j'ai hâte d'attaquer et de vous en parler. Si vous voulez suivre toutes les aventures jour par jour, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram. Je mets des stories tous les jours. Voilà, si vous voulez être au courant un peu plus tôt, venez sur Instagram. Et si vous voulez suivre les aventures sur YouTube, pensez à vous abonner et activer la cloche. À la prochaine. Ciao.